Et salut les amis, voici O-Ninja. Je sais, c'est pas moi. C'est pas mon bonhomme, je l'ai pas inventé parce que en ce moment, on joue à Supercharger. Car Imaginator, ça ne me tentait pas aujourd'hui. Et je voulais bien faire des courses. On est sur ce calendrier, comme vous l'avez remarqué. J'ai mis un rasta à mon petit robot. On va aller faire une course. Comment je vous montre les attaques. Peut-être que vous connaissez pas le jeu, alors c'est juste pour m'assurer. Voilà le pourcentage qui te revient comme promis. Alors là, il va me donner un chapeau. Je vais aller faire une course sur mer. Bien sûr, je vais changer mon véhicule. Prendre le splatter flasheur avec splat. Mais là, vu que j'ai chargé le ballon, il faut que je retourne à l'écran. Excusez-moi. Vous allez avoir une autre vidéo bientôt. C'est un déballage de Lego. En même temps, je vais en profiter pour vous montrer un de mes customs Lego. Comme je vous avais dit dans ma présentation. Alors là, c'est les courses d'eau. J'ai le goût de prendre celle-là. De toute façon, on va sûrement en faire trois, à peu près. Je jouerai pas avec les bonhommes et tout, car ça sert un petit peu à rien vu que j'ai fini le jeu. Ça se peut que vous entendez un petit peu des gens parler au fond, c'est mon frère avec ses amis, inquiétez-vous pas. Alors là, mon véhicule est en super chargeur. Prêt. Parce que le bonhomme correspond au véhicule. C'est ça qui est bien avec les véhicules marins, c'est que tu peux aller au-dessus et en dessous de l'eau. Et bien sûr, tu peux tirer des missiles. Ça, je vous avais expliqué ça dans la présentation. Tu peux tirer des bonhommes. Ah ça, Sticky-là, je l'ai en personnage. Ben, personnage item. Alors, en ce moment, je suis premier, comme vous pouvez le voir. En bas à droite de l'écran. C'est rare que je suis premier, d'ailleurs. À part quand je fais des courses dans les airs, je suis souvent premier. C'était le gros fail. Je suis rendu en 6e position. Encore un fail. Maintenant, je suis en 4e position. En 7e. Désolée, mais je me suis pas pratiquée avant un peu.
Ça se peut que je sois pas très bon. Même vraiment pas très bon. Vous vous demandez peut-être ça sert à quoi les anneaux rouges? C'est des boosts, comme les petites plaquettes là, mais d'une autre façon. Parce que dans l'eau, il faudra aller au fond pour pogner les boosts sinon. Là, je leur tire la peinture dessus. Je vais essayer de me rattraper un petit peu. Comme vous pouvez voir, je suis plus en 8e position, mais en 4e. Ça, c'est un bélier que j'ai en fusée. C'est un item que j'avais eu avec le coffret de un de mes calendars. Ça fait que je vais plus vite. Comme vous le voyez, il y a juste un calendar devant moi maintenant. Je vais essayer de lui faire une embuscade. C'est ça qui est pas très cool. Si vous voulez savoir, ça sèche tout les calendars. Malheureusement, maintenant, c'est juste sur Internet ou à des marchés aux puces. Parce que ça a fini 2 ans à se vendre en magasin. Moi, je les achète. Je les achetais en magasin dans le temps. Et j'en ai acheté un sur Internet. C'est lui. Lui là, j'ai foncé dans quelques murs parce qu'il a fallu que je regarde mon calendar pour prendre le bon. Mais je suis quand même premier. C'est mon avis, mais c'est pas si peu. Comme dans Mario Kart, il n'y a pas beaucoup de courses sous l'eau, je crois. Même que je crois qu'il n'y en a pas. Et dans les airs. Ok, là, je viens de terminer la course. Je suis pas premier, je dois être 5e. Oh non, je suis 3e quand même. Je vais essayer de vous montrer le système des 3 courses.
Ça sera pas long. En ce moment, les véhicules que vous voyez à l'écran, le personnage, c'est pas ce que j'ai pris. Le véhicule, oui, mais pas le personnage. Le personnage, c'est mon frère qui l'a. Ça, c'est ce que je viens de placer sur le portail. Et vous entendez le bruit que ça fait? Et le système, c'est pas très compliqué pour les scalenders. Je crois que vous l'avez déjà deviné. C'est que il y a une puce dans chaque véhicule, personnage, item ou personnage comme ceci, mais ça c'est Imaginator, on ne pourra pas les utiliser aujourd'hui. Et quand on le met sur le portail est magnétisé, je crois. Et avec la magnétisation, ça les rend dans la carte mémoire de la Xbox, ça les enregistre. Et on peut jouer au jeu avec. Désolé si c'était pas très bien expliqué, mais c'est de mon mieux. Ça m'énerve un peu par contre. On porte toujours le dernier. Là, c'est une course terrestre, vous l'avez sûrement déjà deviné. Je vais enlever juste la clé. Ce sera pas long, parce que ça m'énerve. Et ça va peut-être vous faire penser un petit peu à Ghostbusters, moi ça me fait penser à ça la première fois. Parce que lui, c'est pas des missiles, c'est un rayon. Comme ceci. Et là, on roule sur un dragon. Bon, là, on l'est plus dessus, mais on va y retourner. Il y a beaucoup de joueurs qui me tirent dessus, je sais pas pourquoi. Je crois qu'il va le finir pour lui. Là, je vais mettre un petit bouclier au calme. Alors, celui qui se demande pourquoi je ne peux pas tirer tout le monde, c'est que la barre que vous voyez qui se remplit en bas bleu, à gauche de l'écran, à côté de Jawbreaker, c'est mon énergie. Elle descend au fur et à mesure que je tire. Il ne faut pas que j'en gaspille trop. Sinon, ça prend longtemps à recharger. Fait que dans ce temps-là, je mets mon bouclier pour pas le faire tirer dessus. Comment ça, aimer ça? Et pour ceux qui ont écouté ma précédente vidéo de présentation de calendrier, j'avais expliqué qu'avec le trophée de Chaos, on pouvait jouer dans des courses. Alors, après cette course, on va jouer avec le trophée de Chaos dans une course aérienne. Je vous avais dit qu'on ferait 3 courses. Et dans pas très long, après cette vidéo, il devrait sortir la vidéo des Lego que je vous ai parlé dans. Et pour ceux-là qui attendent les tutos draps, eh bien, ça va être pour dans à peu près un mois. Parce que j'ai beaucoup de projets pour ce mois-ci, comme vidéo. Puis, c'est normal que ma caméra bouge beaucoup, c'est parce que c'est mon père qui filme. À un moment donné, je vais apporter... excusez-moi pour l'avoir dit vite. À un moment donné, je vais apporter mon trépied. Et je vais pouvoir filmer bien comme il faut. Mais en ce moment, c'est ce que je peux faire de mieux. Désolé si la qualité est mauvaise. Mais je crois que ça va pas vous convenir. Pour ceux-là qui n'ont pas écouté mes autres vidéos, je vous invite à les écouter après celle-ci.